Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le 22 mai 2016 et aujourd'hui je vais planter des betteraves rouges noble. Voilà. Donc pour faire ceci, vous aurez besoin d'un plantoir et de l'eau. Et puis d'un cordeau. Voilà. Donc les betteraves se plantent toutes les 30 cm. Voilà, et j'ai 12 plants, donc je pourrais pas tout mettre là-dedans. Sur cette parcelle là. Donc ce que je vais faire, c'est que la betterave aime bien la présence de laitue. Du coup je vais mettre des salades à côté. Voilà. Donc allez, c'est parti. Donc je prends ma motte. Voilà. Et je prends mon plantoir et je fais un trou. Voilà, donc ici il y a un peu de mottes. Voilà, et surtout, pas faire un trop gros trou profond. Il faut que la motte dépasse un petit peu du sol. Voilà. Comme ceci. Donc là, c'est un peu galère parce que c'est pas beaucoup de mottes. Voilà, et on met un peu de terre fine autour pour reboucher les trous. Hop, voilà, notre betterave est en place. Voilà, donc je fais pareil pour les autres. Et voilà, donc j'ai planté toutes mes betteraves ainsi que quelques salades. Donc finalement j'ai tout planté en ce qui concerne les betteraves rouges. Voilà, donc c'est la première année que je mets des betteraves rouges. Donc je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, on verra bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à arroser. Comme ceci. Donc, il faut laisser dépasser la motte, hein. Voilà. Les salades. Donc ça c'est des semis. Voilà, que j'ai fait. Donc aujourd'hui il y a un petit peu de vent, mais bon. Donc je vais pailler plus tard parce que là les plants sont quand même un peu jeunes. Et du coup, ouais, je vais mettre de l'herbe, de la tonte de pelouse. Puis quand les plants seront grands, je vais mettre un peu de paille. Voilà. Et donc je vais mettre des bouteilles d'eau de 5 litres, hein. Enfin, celui-là j'ai déjà fait, celui-là aussi, sur les salades, pour éviter que les escargots viennent, ou les limaces, viennent les manger. Et les pommes de terre sont en fleurs. Enfin, sont en fleurs, non, mais vont bientôt fleurir. Ici.
le petit truc blanc. Donc ça veut dire qu'il faudra bientôt les ramasser. Donc je crois qu'elles fleurissent et ensuite les fans deviennent jaunes. Donc quand elles sont jaunes, pardon, il faudra les enlever ou les récolter. Donc c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!